Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gimmy06. Donc les amis, aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew Motorfest, les gars. Bon, dans cette vidéo, vous savez ce qu'on va faire. On va aller tout simplement tester les limites de la map. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut, par exemple, aller sur cette île? Il me semble qu'en haut... Alors là, vous voyez, une petite île, mais celle-là, c'est sûr qu'on peut y aller. On va tester tout ça, les gars. Pareil pour en haut, pareil sur le côté gauche. Non, en haut, il n'y a rien du tout. Sur le côté gauche, par contre, voilà, il y a une île, là, ici. Donc, est-ce qu'on va pouvoir y aller? J'en doute, mais bon, on va quand même tenter. Pareil pour le côté gauche. Bon, ici, il n'y a trop rien, j'ai envie de dire. Alors là, il y a un petit truc. Peut-être qu'on peut les fouiner. C'est quoi, ça? C'est un bateau? Ouais, donc, il y a un petit bateau, ici. Il y a un petit bateau. Et en bas, il n'y a rien. OK. Bon, bah, écoutez, vous savez quoi? On va tester tout ça. Pareil, on va tester au niveau de la hauteur. À combien d'altitude on va pouvoir monter avec l'avion. Allez les gars, on se donne rendez-vous directement avec l'avion. Bon, pour ça, je vais prendre le Zivko, c'est un des avions les plus rapides, donc comme ça au moins, on ira plus vite pour survoler toute la map et découvrir tout ça ensemble. Allez, là j'équipe vite fait avec les pièces que j'ai. Ok, donc de là on est bon, on pilote. Alors déjà, vous savez quoi, on va aller en bas, on va voir les limites, on va aller tout en bas. Regardez-moi ce ciel magnifique. En plein jour, c'est quand même magnifique, hein, The Crew. Alors normalement, d'après ce que j'avais compris, d'après ce que les abonnés m'avaient dit, si on passe dans le donut en plein milieu, on obtient un petit trophée. Alors on va voir ça de suite. Et ben, c'est bien ça. Trophée gourmand. Trophée obtenu, on est bon, j'ai bien validé mon trophée. Allez, maintenant direction le fond de la map, on va voir un peu ce qu'il en est. On va voir jusqu'où ça va, et de là il va falloir voler longtemps les gars. Je vous couperai un peu tout le vol au montage, hein. Je vous couperai tout ça parce que ça risque d'être un peu long sinon. Alors on se met en vue intérieure. Voilà, dans la bestiole. La vue arrière, on voit l'île qui s'éloigne là au loin. Oh, c'est super bien fait, c'est incroyable. Franchement, visuellement, le jeu est vraiment magnifique. Pour l'instant, ça vole, ça vole. Voilà, derrière. Ah, ok, d'accord. Limite, j'ai eu un trophée, les gars. Limite de canet. Limite de canet. Donc là, j'ai eu un trophée pour ça. Donc on peut pas aller plus loin que ça. Donc voilà où est-ce qu'on est à peu près par rapport à l'île. On est ici. Et de là, voilà. Dès que vous franchissez cette limite, hop, ça vous fait un petit respawn, ça vous fait réapparaître dans le bon sens. Genre en gros, vas-y, redirige-toi vers l'île. Et de là, vous avez votre trophée. Alors maintenant, ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va essayer d'aller sur cette île là-bas. On va voir s'il y a moyen d'y aller. Allez, go! Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais me téléporter directement ici. Ah ouais, non, je peux pas. Donc je me téléporte directement là. Et comme ça, on sera plus près de la petite île. Allez, go! Voilà, on voit l'île qui est juste en face. Allez, go sur l'île. Alors la question, est-ce qu'on va pouvoir le faire? J'en sais rien du tout. Ça m'étonnerait à mon avis, mais bon, on tente quand même, on sait jamais. Ça serait cool qu'on puisse aller genre sur les petites plages qui sont devant là. Alors je sais pas, c'est bizarre, on dirait qu'il y a des trucs qui volent là sur la plage. Regardez sur la gauche, on dirait qu'il y a un petit bug. Il y a plein de petits points noirs qui volent sur la plage. Alors est-ce que c'est les arbres qui font ça? Ouais, on dirait que oui. Oh les gars, on dirait qu'on peut y aller. Ah, papa, non, on n'a pas pu y aller. On n'a pas pu y aller, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors là, on est où, là? Ouais, donc on est ici. Donc on a pas pu y aller. Dommage. Ultra dommage. Et du coup, il nous restait un truc à faire. Alors là, on avait vu le bateau. Qui est là. Pourquoi pas y aller? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre à faire? Ah oui, il y avait cette île-là aussi. Mais à mon avis, ça sera exactement pareil. On va tenter l'île-là. Voilà, on va se taper ici, on va aller sur l'île là.
Après, on va essayer d'aller voir ce bateau. Ah, c'était celui-là. C'était celui-là. Bon, après, là, c'est juste un bateau. Vous allez me dire, hein, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire. Pourquoi pas se faire 2-3 wheeling en motocross là-dessus? On va tenter ça. Allez, hop. Alors, le bateau est là. Alors, maintenant, la question, ça va être pour atterrir sur ce bateau. C'est ça qui va être le plus compliqué, je pense. Alors, je freine au maximum. Hop! Et j'ai réussi, les gars! J'ai réussi à aller sur le bateau. Alors, de là, on se choisit une petite motocross. Oh non! Ah! Ah, les gars! Ils m'ont refait spoon ici sur l'île. Oh, c'est trop dommage. Bon, vous savez quoi? Je vais pas laisser ça comme ça. Vous savez ce qu'on va faire? J'ai ma petite idée. On va se mettre celui-là en favori. Et de là, eh ben, on recommence. Moments later. Ok, c'est bon, les gars, j'ai réussi. On est sur le bateau en YZ. Bon, à mon avis, ouais, on va pas pouvoir faire grand-chose. Hein. J'aimerais bien monter sur ces tuyaux, genre faire un petit wheeling là-haut. Je suis complètement keblo, les gars. Oh, c'est chaud, les gars. Rien que pour faire demi-tour, c'est ultra chaud. On va essayer de monter là-haut, là. Vous voyez, les petits escaliers, on va essayer de monter là. Et c'est possible. Hop là, je termine en winning. Voilà, ça c'était pas trop mal, les gars. Ça c'était pas trop mal. Bon, vous savez quoi? Je pense que on va bouger de là parce qu'il y a trop rien à faire sur ce bateau. Ça fait 2 heures que. Hop là, petit wheeling sur le bateau. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas BG ça. Allez, super. Bon, vous savez quoi? Direction la flotte. De là, on récupère notre avion. Et maintenant, on va aller voir cette île là-bas en face. Normalement, c'est bien celle-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça, mais vous savez quoi? On va pas s'embêter. On va se faire un respawn ici. Voyage rapide. Hop. De là, on est bien. Oh, stylé l'endroit là. Donc, la petite île, comme vous voyez, elle est juste en face de moi. Donc, on va tenter d'y aller. Allez, c'est parti. À mon avis, ça va faire pareil que les autres. Mais bon. C'est pas grave, au moins comme ça on aura tenté vraiment tous les contours de la map. Après il nous restera plus qu'à à monter le plus haut possible pour voir ce que ça donne. Et une fois qu'on sera le plus haut possible dans les airs, vous savez ce qu'on va faire, bien évidemment. Et bien si vous savez pas, je vous dis d'attendre quelques instants pour qu'on teste ça ensemble, vous allez rigoler. Alors, est-ce que on va réussir à aller sur cette petite île? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais bon, on va voir ça de suite. Eh, on est très très près, les gars. Oh là là, mais on peut y aller ou quoi? Oh, papa, j'y ai cru, les amis. Oh, j'y ai cru. On était vraiment juste à côté. Ah, incroyable. Dommage, dommage. Bon, bah maintenant, il nous reste plus qu'une dernière chose à faire, les amis. C'est de monter le plus haut possible. Alors, vous savez ce quoi? Je vais me TP vite fait au milieu de l'île. Comme ça, on retombera directement sur la terre. Ben, par exemple, par ici, voilà. Et de là, on est parti pour monter le plus haut possible. Voilà, allez, on est parti. Prise d'altitude. Alors regardez la vue intérieure quand on est comme ça. Le mec, il monte, il monte, il monte, c'est incroyable. Donc sur la gauche, au niveau du compteur, vous avez le kilométrage, ok, mais juste en dessous, vous avez les mètres. Donc on voit l'altitude à laquelle on est. Donc là, on est à plus de 1000 mètres. Là, on est à 1200. J'ai l'impression que ça retombe. Attendez. Non, qu'est-ce qu'il me fait? On continue de monter. Moi, je veux monter le plus haut possible. On est à 1600 mètres. 1700 mètres. 1800. 2000. Pour l'instant, 2000 mètres, c'est quand même une sacrée hauteur, j'ai envie de dire. On est à 2300 mètres. 2500, les gars. 2006, 2007. Ah, 2007, 2008. Non, ça continue. Ah, j'ai l'impression que ça commence à bloquer là. 3000 mètres, les gars. J'ai l'impression que 3000, c'est le max du max.
J'ai l'avion qui commence à partir en cacahuète comme s'il avait tapé une barrière invisible. 3004. Non, ça continue de monter, les gars. Ça continue de monter. 3005, 3006. Incroyable. 3700 mètres. Il fait tout noir. Genre, on va aller dans l'espace, quoi, dans pas longtemps. On est à 4000 mètres d'altitude. Ah, j'ai... Là, c'est... Ouais. Alors, je continue, je réessaye. Hein. Ah, je viens d'avoir un trophée. Capturer le soleil. On est à 4400 mètres. Le moteur, on dirait qu'il s'arrête. Voilà, ça y est. Je pense que là, on est à fond. Là, on est à fond. 4400. Et ça redescend. Vous entendez le bruit? Oh, on est super haut. Regardez la map en dessous. Elle est toute petite. On voit... Alors, hop, là-bas, la lune au loin. Ouais, c'est difficile à gérer parce que ça nous fait retourner sur une vision un peu bizarre. Bref. Bon, les gars, on est à 4400 mètres. Alors, vous savez ce qu'on va faire à cette hauteur? On va faire de la motocross. Et on va se faire des backflips. Non, des frontflips, pardon. Bon, ah, bah là, je pense qu'il y en a pour au moins 2 heures. Bon, ça sert à rien que j'accélère parce que là, ça sert strictement à rien. De toute façon, j'irai pas plus vite. On est à 330 km/h. Et vous savez quoi? J'aurais bien aimé essayer en voiture. Parce que là, on bloque, vous voyez, en motocross, on bloque à 330. Attendez, vous savez quoi? On va vite reprendre l'avion, je vais vite remonter. Vous allez voir qu'en voiture, on va aller beaucoup plus vite. Alors, allez, je remonte. Vite fait. Parce que j'ai envie de voir la VMAX qu'on arrive à faire. Je sais que sur Jeu Coup 2... la VMAX de chez VMAX dans le jeu, on pouvait pas aller plus vite, c'était 720 précisément. Oh, stylé dans la nuit là. Donc je veux voir à quelle vitesse on arrive à aller là sur ce The Crew Motorfest. Ok, donc là on est à 4000, allez, on est parti. Ah ouais, mais merde, du coup, vous savez ce que je vais faire? Je vais, du coup, on va dans les véhicules, on va prendre un hypercar en favori, peu importe laquelle, ça par exemple. De là, je fais triangle, voilà, ça choisit en favori. Et de là, on va se valider la Tempesta. Hop! Voilà. Alors, voyons voir la VMAX. On est à 370, 400, 500. 560, 590, 600. 645. Ah! Ah! J'ai fait une VMAX de 645 km/h, les gars. Allez! Et avec du NAS, ça donne quoi? Ah! Boum! Bah, j'ai éclaté la voiture. Mais vous inquiétez pas, regardez, ça roule encore. Hein. Y a pas de souci, tout est nickel, tout fonctionne parfaitement. Je sais même pas si elle a des rayures. Ouais, elle a quelques petites rayures par-ci, par-là. Mais bon, on était à quand même 4000 mètres d'altitude, normalement. Bah, il y aurait même plus de voiture, hein, clairement. Mais bon, voilà, c'était juste histoire de tester ça. Bah, c'était assez rigolo, c'était assez sympa. J'ai tenté d'aller au-delà des limites de la map. Voilà, voir où tout ça s'arrête. Bon, c'était cool. On voit qu'on ne peut pas aller sur les îles, malheureusement. Est-ce que, peut-être, plus tard, lors d'une prochaine mise à jour, peut-être qu'on aura ces îles accessibles? Qui sait? Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Voilà. Question, on verra bien. Bon les amis, je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc il y a mon Instagram, Discord, ma chaîne Twitch, mes partenaires Instant Gaming, Blind Contreur, vous avez tout dans la description les frérots. Sur ce, je vous dis bon game à tous. Attendez, je vous fais le petit burn final. Et à plus les amis, à plus. Allez, ciao.